que vous faites comme métier ? Je suis DJ professionnel. D'accord. Sous quel nom ? Furax. Pourquoi Furax ? Oh, bah parce qu'en fait, à l'époque où j'ai commencé, la musique était un peu furieuse, donc j'ai gardé ce nom-là, et puis voilà, ça m'est resté. Vous jouez au loto ? Oui. On va dire une fois tous les deux mois, quand ça me titille un petit peu, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que si je gagnais, ça pourrait ouvrir des portes à plein de choses, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est un rêve que tout le monde a au fond de soi-même, gagner au loto. Vous feriez quoi avec l'argent ? Ben moi, vraiment, avec mon métier, il est clair que j'ai réalisé peut-être le rêve de tout DJ, ouvrir son club, quelque chose de fou, quoi. Avec toutes les idées que j'ai eues pendant toutes les années que j'étais DJ, comme il y avait Osilion, une piste qui descendait toute seule, il y avait autre part. Réunir vraiment tout ça et le mettre dans une discothèque où on pourrait faire une espèce de parc d'attractions géant pour les adultes, à Disneyland, mais électronique, quoi. Ça coûte très cher ? Oui, mais je mettrais une grosse partie, quoi. Ouais. Puis je garderais quand même une part pour la soif. Il faudrait combien alors pour réaliser ? Ouh, je sais pas, mais déjà avec moi, s'il y avait vraiment une grosse cagnotte de 20 millions d'euros, ça serait bien, oui. Ouais. Voilà. Vous avez un rêve ? Bah, disons que le rêve, on en a tous un, mais moi, j'ai eu la chance de le réaliser. Donc, de mon métier, de ma passion, j'en ai fait mon métier. J'aimerais bien vivre le plus longtemps possible et m'amuser jusqu'au bout, quoi. Voilà.